Bonsoir tout le monde. Backlog qui gagne au niveau de l'immigration, c'est-à-dire au niveau du monde qui a fait plusieurs pétitions, que ce soit pétition pour joindre Green Card, pétition pour joindre résidence, pétition pour joindre asile. En fait, député Elijah Cummings, en fait, on dit c'est député Maryland DA, en fait, monsieur, c'est lui-même qui chair maintenant comité au niveau de Chambre des députés à qui gagne pour mission pour voyager dans ça qui a rapport à l'immigration. En fait, monsieur clairement exprimé qu'elle sautait inquiétude qu'elle gagnait par rapport à backlog qui gagne dans l'immigration. OK? Donc, il fait comprendre que agence ça qui gagne pour responsabilité aider immigrants yo pour capable venir dans le pays de manière légale, pour capable venir citizen. Et même il dit semblé que agence ça en parlant de USCIS, elle semblait a failli à mission. Non, ça n'a rien d'un de ces bagages qui pissent. En fait, livrer une lettre par responsable USCIS. NBC joue une lettre ça. En fait, lettre ça qu'elle voyait aller depuis 6 février. Et monsieur va connaître que, en fait, on a parlé de Elijah Cummings, qui c'est député Maryland là. Il dit, bon côté, lui-même, il recevoit des séries de rapports troublants. Il bien dit, de rapports troublants et inquiétants qui soulevaient en pile question. Si effectivement, il y a un boss en chef non, au niveau du USAISA qui c'est Kirchner, il a posé cette question à un moment, est-ce que monsieur vraiment vrai, il a fait job là? Job, il a été mis là. OK? Et en fait, suivant, puis l'autre monde qui a travaillé dans la commission, député a dirigé, qui a pour pouvoir, pour voyager gérer ce côté immigration, il va comprendre que ça, notion backlog là, ça veut dire le fait que en pile application des vents, il y a un retard. Il y a tout côté dans le moment au niveau des USCIS. Et il y a des cas qui sont plus mal que l'autre. Tant qu'on parle de cas humanitaires, les gens qui ont demandé réfugiés, les gens qui ont demandé asile. Et des cas de série de gens qui ont demandé assistance, qui ont fait request. Vous comprenez bien, USCIS, bon droit. Toutes les fois que vous avez un problème, vous faites request pour une bonne réponse. Pour tout ça passer. OK? Parce que les cas là, outside of processing time, monsieur soulevé la question ça. Donc, suivi. Vous pensez que vous n'avez pas fait suivi assez lorsque vous faites request. Et dans ce sens, eh bien, député Ali même, il va chercher à regarder. Monsieur, puisque le bien pouvoir, c'est député, il fait partie de la commission. Eh bien, monsieur, voyez, en passer l'autre pour vous un bon document. Monsieur dit, toute conversation qui a rapport avec des cases, côté que vous avez posé question, document, ça a besoin de joindre. OK? Donc, monsieur, citez plusieurs cas de backlog. Côté que Mounio pas respecté deadline pour répondre au request for assistance. Il dit, gon deadline. Pas bien que USA, c'est bon, bon, des autres, ils vont pas attaquer, ils vont savane. Tout kezio, gon temps. Même j'en tout, si vous-même, vous pouvez faire request là, en aïe, tant que vous avez le temps, dossier, vous ne pouvez pas dire rien, vous avez gon délai pour bonne réponse. Donc, monsieur, bien dit, oui, il n'y a pas de deadline lorsque Mounio demande request for assistance. OK? Donc, député, ça a lui-même, il n'a pas regardé, il voulait être baillot, il a demandé explication. OK? Et Sherman, en parlant de député Maryland, là, il dit tout, en fait, on a prévu pour vous, non, monde qui a un pile pouvoir qui a décidé au niveau de l'USS dans le moment, c'est Kirchner. Lui-même, il dit, il est inquiet, il est cassé sous monsieur ça. Et puisque monsieur, d'après député, l'employeur a soulevé des problèmes qui gagnent. L'employeur n'a pas une réponse. La parole de l'employeur Moon qui a besoin de capitaine de GS. Monsieur Touge, ça relève, monsieur parlait de ça relève high staff turnover. Ça veut dire en pile, Moon qui a quitté job là. À cause de bagage, ça au Moon n'a pas arrêté. Donc, information qui recevoir, c'est des informations qui vraiment tout blanc. C'est ça, comme il fait comprendre, député. Et monsieur dit, il pas oublier tout que. Monsieur Sao de Kirchner, là, dans le passé, monsieur te gen des positions, côté que position li te vle, c'est overall pour te réduire sa les immigrants dans le pays. Donc, il pas oublier position monsieur te gen dans le passé. Et maintenant, monsieur dit, li besoin toute communication et responsable à gen avec tout le monde. Qui l'a dit passé, mon capteur dans le GSO, est-ce qu'il y a au moins de vous avoir priorité à certains cas et d'autres pour pas avoir priorité?
Li mande tout korespondans ke Kushner gen avèk fèr ak, pa bliye ke ou gen dwa Freedom of Information, tout moun kon sa, Freedom of Information Act, sa vle di ou gen dwa pou ekri, pou voye email, pou mande informasyon n'importe ak, sa son lòt fason. Si pa ekri, mè pa ta bon repons, si ou ta di yo di nan ou pa resevwa, ou gen dwa pou resevwa tout ba ou. Pase la lwa bon dwa, pa bliye ke nèk yo pa ka fè ba ilegal. Se vwe kon administrasyon, yo ka pren kod tout. OK, yo pa ka fè rien ki légal. Parce que c'est la loi qui fait ça. C'est ça qu'on dit la loi c'est pouvoir. C'est bon qu'ils sont contact ici. Quel que soit niveau, yo a fait bagarre illégal, ka prend prison tout. C'est ça lié. Et donc maintenant, USCIS, porte-parole USCIS qui c'est Michael Barr, en fait, monsieur dit, c'est pas vrai. En fait, nous connaissons fort que défendre tête yo. Il dit que bon côté Barr, il faut un petit changement pour capable rendre processus la plus fluide. Yo dit li dit que yo hire yo by job avec additional staff. Li dit encore yo étend facilité yo. Ça veut dire yo étend quantité building que yo pa gen yo ta gen. OK? Li dit laisse ça possible et que gen un cas qui pas ka compléter suivant standard yo. Yo dit yo bataille pour capable décider sur application yo pétition yo. OK, aussi tôt que possible. OK, suivant la loi. Et maintenant, je vais comprendre que en fait, d'après député, il faut que je une réponse, OK, sous question causé backlog ça, les monde fait application de manière démesurée, c'est toute bagarre à bon temps, OK? Donc c'est même bien député pour des questions, sans façon vous comprendre que ou même ou gain droit depuis bala dépasser les faut tout de suite dire qu'il soit outside of processing time. OK? Causer ça passer. Donc il faut que Kembe monsieur dame ça dit pour comprendre que yo pas au-dessus de la loi. OK? Donc depuis on même on gain droit temps passé ou le autant possible pour rappeler que temps dit que c'est tout bagarre avant temps, bon processing time. Et bien que président Donald Trump dans discours dans State of the Union a déclaré que en fait Donald Trump dit il voulait pour gagner en pile monde vinn nan pays sa. Pi plis moun ke possible. Entre parenthèses, faut le dire. Donald Trump pou bouchi sa. Il dit pou gen pile étranger vinn nan pays mais de manière légale. OK, c'est ça Donald Trump dit. Donc c'est comme quoi que Donald Trump va dire lui-même, li pa anti immigrant, li pro immigrant. C'est ça il te dit dans State of the Union là. Pas oublier que discours te donne dans son discours qu'il a préparé. C'est pas le Donald Trump que nous connaissons, OK? Donc c'est un discours yo bali li lil. OK? D'ailleurs nous te voyons un petit peu aussi. Tape le discours à tout et c'est appelé là. OK? Et maintenant, entre parenthèses, nous connaissons tout asile là, nous connaissons ça le plus mal. OK? Backlog asile là, le plus mal dans tout backlog. Bien que backlog asile là, il y a des séries de monde qui fait avantage, mais c'est un backlog qui est vraiment énorme. On parle d'asile. Parce que ce qui passe là, c'est le cas qu'ils ont asile là. Il y a beaucoup de monde là qui fait demande d'asile. Ils ont bien aimé faire interview parce qu'ils ont une bonne case. Mais ils ne peuvent pas priver sur eux. C'est là le problème, non? Mon gen ke zita gen apou vali depuis longtemps. Yo pa parce actuellement là c'est en l'air nèg va travailler. Yo va travailler en bas même. Donc mes problèmes là, bas asile là sont l'autre histoire. OK? Bien que nous connaît tout, par l'asile et gen d'état asile là, on a parlé d'asile qui passe sur frontière. Donald Trump devait changer politique là bien que yo bloqué. La justice bloqué lui. C'est une chose. Bien que monsieur fait appel lui dans moment, mais il était bloqué monsieur. Parce que c'était pas de que pour monde lorsque de vous passer sur frontière, vous voler 1000, pas d'accord pour demander asile. En fait, si Donald Trump pas d'accord ça, il t'a pas le fait, il t'a pas dit que t'as pas son loi, il a fait l'entrée loi ça. Et dans le moment ça le fait, il dit pour l'autre coup, il dit OK, m'a pité ou appelé qu'on y a, mais m'a demandé pour y aller ton processus là au Mexique. En fait, ça le demandé. Même ça encore, il a voulu attaquer ça à la justice. Tout coup Donald Trump fait, il voulait attaquer la justice. Donald Trump tout, entre dans la question, et HBO en visa, on s'en remarque en pile. HB1 visa, nous contactons HB1 visa, c'est visa pour high skill worker, c'est des gens qui ont pile skill. Monsieur Fongeant, puisque monsieur fait comprendre que le monde sait que c'est job américain qui a bien volé, il y a pile connaissance. Bon, bon américain qui a fait travail, il y a des compagnies qui ont employé mon dieu, donc monsieur a marqué tout. Donc voilà, nous devons voter update ça pour vous, justement pour qu'on ait que un vieux démocrate qui a dormi, il y a pas d'explication pour qu'on ait what's going on, notamment nous avons débuté. Elidj Koumen, de Maryland, c'est lui qui est responsable document, du responsable comité qui vous fait, qui responsable comité qui vous voyager, qui vous pose des questions dans les affaires immigration.
Monsieur, bonne question rapide, monsieur Madéa. Qu'est-ce qui est important là? C'est causer leur faire request. Parce que nous, quand on voit des cas comme ça, mon enfant request, il vient faire request. Si. Après, l'autre tableau, encore son autre request, il fait. Ok, il va jamais avoir une réponse. Donc, ça t'avait dit que backlog ça, monsieur dit, il faut résoudre. Notamment, par exemple, nous, on a causé US Citizen qui était qu'on fait dans 6 à 5 mois, mais qu'on y a presque dans 10 mois, permanent résident, backlog de tous côtés. Démocrate ou pas de dormi, yo vle pose question pour que yo rectifie ba sa ou que sou moun pou la fè application résidence, que ba la prend tan. Tan yo di que la prend, ok? Donc c'est ça qui a passé là. Donc félicitations pour Elie Commune qui a fait travail, démocrate yo, qui a abordé tout dossier en même temps. La quitte a rien dormi, yo fait quoi pour voir, yo rentre en janvier, depuis son côté gen problème, yo même, y a prouvé question. Moun ki pou ate, moun ki pou perdi job yo. Bien que Donald Trump a dit lui-même, investigation c'est la guerre. Et ça le dit, Donald Trump, il dit investigation stupide, investigation, c'est qu'on a le relais. Démocrate, il finit de faire discours, nous sommes tout de suite après discours, eh bien, pile, nous convoquer tout côté, l'état pour recevoir. Donc, tout le monde a venu raconter. Démocrate, qui pas d'avance. Donc, nous devons un update sur causer ça pour. Donc, ceci dit, nous du porte bien, et j'aime toujours dire, rebrancher, connecter avec nous, et présent, pour, présent bouton rouge là, pour capable de te connecter.